3. Bonjour ma chérie. Oh, kiss you. Je m'attendais pas à ce que tu viennes si tôt, mais je suis content de te voir. Show me tiger. Oh, kiss you. Monsieur Matula. Je suis mademoiselle Remers. Nous avions rendez-vous. Nous avions rendez-vous aux aurores. Vous m'avez dit que vous partiez en vacances très tôt ce matin. Je suis pas assez fou pour partir si tôt. Vous m'avez dit l'autre jour au téléphone qu'il s'agissait d'une histoire d'assurance. Est-ce que vous pourriez me donner d'autres précisions ? Éthique professionnelle ou curiosité ? Un petit mélange. Ça n'a pas été facile de découvrir où ils habitaient. Tout ce que je connaissais, c'était leur prénom et je savais qu'ils étaient dans la même équipe de volleyball à la fac, il y a de ça 7 ans. Et d'après mes recherches, ces hommes sont tous les deux d'honnêtes citoyens. C'est bien d'eux qu'il s'agit ? Oui, je le crois. Si cela peut vous tranquilliser, les citoyens les plus honnêtes ne sont pas à l'abri des accidents de la route. Ils sont coupables de délits de fuite à la suite d'un accident. La personne accidentée leur réclame des dommages et intérêts. Vous êtes content maintenant ? Maintenant, oui. Merci beaucoup. Au revoir, monsieur. Alors, comme ça, tu veux apprendre à faire du deltaplane ? Ouais, plus j'aurai de cordes à mon arc. Comme tu voudras. Tu seras parti longtemps ? 3 semaines. En cas d'urgence, où est-ce que je peux te joindre ? J'appellerai ta secrétaire et je lui donnerai le numéro. Mmh. Bonne continuation. Je suis trop superstitieux pour te souhaiter bonne chance, mais en tout cas, n'en fais pas trop. Ciao. Ciao. C'est fini pour aujourd'hui. Tu sais qui c'est ? La prof de danse le connaît. Il est professeur d'éducation physique. Il s'appelle Freeze. Je trouve que c'est une drôle de douille pour une arme de poing. J'en ai jamais vu de comme ça.
C'est bien, mais attention à l'atterrissage. Et vous allez beaucoup trop vite, ralentissez. Poussez vers l'avant, non, vers l'avant. Aïe, aïe, aïe. Vous avez mal quelque part? Seulement quand je ris. Tu t'es beaucoup trop cramponné à l'atterrissage. Au contraire, il faut pousser loin de toi et vers le haut. L'ennui, c'est que tu vas trop vite, Joseph. C'est pas ce que tu disais la nuit dernière. C'est malin. Mais attendez, professeur d'éducation physique, frappé à mort. Excusez-moi, ça vous dérange? Vous voyez bien, je suis en train de lire, non? Frappé à mort. Je lui ai donné les deux adresses, celle de Tyson et celle de Freeze. Et une semaine plus tard, l'un d'entre eux est assassiné. Alors qu'est-ce que c'est si c'est pas une coïncidence? Mon travail a conduit tout droit à un meurtre. Tu n'as absolument rien à te reprocher, sincèrement, si ça peut te rassurer. Je n'ai pas réussi à joindre Hugo Tyson, mais j'ai parlé à son père au téléphone. Qu'est-ce qu'il a dit? Il a une explication? Non, mais il se fait du souci. Je le connais, ce banquier. Nous avons souvent fait des affaires ensemble. Il doit venir demain à mon bureau. Il veut absolument me parler. Je n'ai pas la conscience tranquille, je te le garantis. Monsieur Tyson, entrez, je vous prie. Bonjour, monsieur Tyson. Ça me fait plaisir de vous revoir. Je vous remercie et descendez-vous. Je sais que votre temps est précieux. S'il vous plaît, prenez place. Merci. Alors, de quoi s'agit-il? Eh bien, mon fils m'a fait une révélation importante hier matin. J'avoue que je suis encore sous le choc. Mais en même temps, la confiance qu'il m'a témoignée en venant tout me raconter m'a très sincèrement ému. Je dois l'épauler, l'aider à s'en sortir, mais cela risque d'être particulièrement difficile. C'est pour ça que je fais appel à vous. Et que puis-je faire? Hier, on a assassiné un professeur d'éducation physique. Et il y a environ 15 jours, on a tué deux anciens camarades de mon fils lorsqu'il était à l'université d'Amsterdam. Pete Hikers et un autre qui s'appelait Henner Vandenbloom. Mon fils avait fait un voyage en Asie avec eux, voilà, environ 7 ans. Ces Hollandais ont convaincu mon fils de se joindre à une opération qui consistait à faire passer une grosse quantité d'héroïne à la frontière. C'était leur idée. Et ils ont vendu toute la marchandise à Amsterdam par la suite. Mon fils a bien entendu reçu sa part. Quelle quantité d'héroïne? 2 kilos. Rikers et Vandenbloom ont sûrement procédé à des mélanges en laboratoire. Mon fils est certain que c'est cette manipulation qui est à l'origine de ce triple meurtre, et c'est sans doute vrai. Il s'agit d'un règlement de compte en série. Mon fils voudrait partir en Amérique, aller s'installer autre part, n'importe où, pourvu que ce soit très loin d'ici. Personnellement, je n'ai pas pris de décision. Je pourrais bien entendu lui donner une de nos filiales étrangères à diriger, mais est-ce vraiment utile? S'il s'agit bien d'une bande de trafiquants à l'échelle internationale, ils ont tôt fait de... Oh, je ne sais plus. Et dans tout ça, quel serait mon rôle? Connaissez-vous un avocat, Amsterdam? Oui. J'aimerais que vous essayiez d'en savoir davantage sur les circonstances exactes du meurtre de Vandenbloom et Rikers et où en est l'enquête de la police. Est-ce que c'est possible? Je peux essayer. Ah, bien. Très bien. Et bien sûr, au cas où les autorités devraient avoir vent de cette affaire de trafic de drogue, pourriez-vous assurer la défense de mon fils? Et est-ce que pour ce genre de délit, la prescription existe? Les sentences sont extrêmement sévères. Mais à ma connaissance, la prescription n'existe pas pour les trafiquants. Ah, oui, oui. Oui, je m'en doutais. Mais avant de vous dire de façon définitive si j'accepte de défendre votre fils, il faut bien entendu que je m'entretienne avec lui. En attendant, il faut assurer sa protection. Je peux vous recommander un excellent détective privé. Il s'appelle Matula.
Oui. Je travaille pour un journal zurichois. Je suis Mademoiselle Remers. J'aimerais que vous m'envoyiez une liste des prix pour l'exposition Ruchter. Mais je suis arrivée à Francfort que ce matin. Serait-il possible de me mettre de côté une invitation? Oui. La semaine de Zurich. D'accord. Oui. Merci. Ça serait gentil de m'en laisser une à la réception. Merci beaucoup. Merci. Au revoir. Exposition de peinture sous le patronage de la banque Thyssen. Je me suis souvent dit que tu ne me faisais pas confiance. Ce soir, j'en suis certain. Est-ce que t'as du poison ? Mais bien sûr, naturellement. Alors ne le verse pas dans le vin, il est déjà assez infect. Depuis quand tu t'intéresses au vin ? Goûte-le et tu verras. Bonjour, maître. Bonsoir. Je vous présenterai mon fils tout à l'heure. Bonsoir, bonsoir, excusez-moi. Un moment. Mais faites, faites. Votre invitation. Je suis attaché culturel de cette ville, soyez sans crainte. Je regrette, je ne suis pas au courant. Oui, d'ailleurs, ça se voit, la culture, ce n'est pas votre fort, cher monsieur. Parce que je ne vous connais pas. Il faut que je prononce un discours, là, s'il vous plaît, je suis très en retard. Ah, dans ce cas, je suis sûr qu'ils vous attendront. L'invitation. L'invitation. Ah, l'invitation. L'invitation. Une minute, l'invitation. L'invitation. Oui. Oui, un moment. Ah, la voilà. Voici l'invitation. Mais entrez donc, je vous en prie. Mon fils Rudolf, maître Renz, qui a accepté de nous aider. Oui. Rudolf arrive juste de l'aéroport. Je regrette de vous rencontrer en de pareilles circonstances. Pouvez-vous nous laisser seuls un petit instant? Mais... Bien sûr. Asseyons-nous. Votre père m'a déjà mis au courant de votre histoire, mais j'aimerais en savoir un peu plus sur votre voyage en Orient. Ça fait 7 ans tout juste. Au Pakistan, nous avons plusieurs fois acheté de l'héroïne. On pouvait s'en procurer à des prix défiant toute concurrence. Pitt et Ener répétaient sans arrêt que l'héroïne était hors de prix à Amsterdam et qu'ils auraient pu faire des affaires en or si seulement ils avaient de l'argent. Alors ils m'ont persuadé d'encaisser un chèque de la banque de mon père et ça nous a permis d'acheter de l'héroïne. On est allé dans un garage très spécial où l'on nous a aménagé un double fond dans la portière. Et on a traversé la frontière sans aucun problème. Et puis, ils l'ont trafiqué à Amsterdam, en laboratoire. Ils en ont obtenu 9 kilos et ils l'ont vendu. Mais j'ai toujours eu mauvaise conscience dans cette histoire. Et quand les journaux parlaient des victimes de l'héroïne, ça me faisait quelque chose. Et puis, à la longue, l'eau a passé sous les ponts. Vous avez fini par oublier. Cela a arrangé votre conscience. Oui, et puis il y a 2 semaines, la sœur de Pitt m'a téléphoné pour m'annoncer que Ener Vandenblom, et peu après Pitt, avait été abattu. Elle voulait vous avertir ? Franchement, je ne sais pas si elle était au courant. Elle voulait seulement savoir si je venais à l'enterrement. Et alors ? Est-ce que vous y êtes allé ? J'ai préféré ne pas y aller. J'avais peur. Surtout qu'Eric a été tué dans les jours qui ont suivi. Eric Fries, le professeur? Ben oui. C'est donc qu'il s'agit de notre ancienne bande. Et c'est l'œuvre de qui? Je n'en sais rien.
Je n'en ai aucune idée. Peut-être que ce n'est qu'une coïncidence, après tout, mais... En tout cas, j'ai très peur. Je ne crois pas aux coïncidences. Une femme a fait appel au service d'un détective pour se procurer l'adresse de Freeze et la vôtre. Connaissez-vous une femme qui semble être d'origine méridionale? Une trentaine d'années, les cheveux très noirs et très frisés. Non. Je connais des clients de Pete et de Anna, mais pas de femme. Laissez-moi faire. J'ai demandé à mon collègue hollandais, Maître Platten, de nous tenir au courant de ce qui se passait. En attendant, c'est votre sécurité qui est importante. Allons voir Monsieur Matula. Dois-je envoyer Rudolph dans une de nos filiales à l'étranger? Dites ce que vous pensez. Je ne saurais décider à votre place. S'il a un tueur à ses trousses, il ne sera en sécurité nulle part. Il est peut-être plus sûr pour lui de rester ici. Nous savons à quoi nous en tenir et nous pouvons prendre des mesures efficaces. Que faites-vous pendant la journée? Il travaille à notre centrale. Il y est en sécurité, ainsi que chez nous. Nous avons à la banque notre propre service de sécurité et notre résidence est très bien protégée. Dans ce cas que M. Matula l'accompagne, quand il devra se déplacer d'un endroit à l'autre, de son lieu de travail à votre résidence et vice-versa. C'est bien compris, Rudy? Et monsieur le directeur, tout le monde vous attend dans la salle. Ah oui. Et voulez-vous vous joindre à nous, cher maître? Je vous remercie. Je retourne à mon bureau. Le travail, vous savez ce que c'est. La culture, c'est pas ton fort. Alors là, tu te trompes. Mais je n'aime pas ce peintre. Et ce type de manifestation mondaine me fait perdre de l'argent. De l'argent? Ah oui, chacun se croit autorisé à me sauter dessus pour me demander une consultation. En bref, va demain au commissariat central voir tes vieux amis. Et tâche de savoir où en est l'enquête sur le meurtre de Freeze. Bien, chef. En attendant, je vais veiller sur le fiston. Ciao. Ciao. Quand vais-je venir vous chercher? Je m'arrête à midi. Attendez-moi devant l'entrée principale. D'accord. Bonjour, Helga. Bonjour, maître. Alors, quoi de neuf? Oui, un telex est arrivé ce matin du maître Groupen d'Amsterdam. Doit-il vous envoyer les documents? En principe, oui, mais vous comprenez le néerlandais? Non. Pas non plus. Vous ne voulez pas qu'il vous les envoie? Ah si, bien entendu. Appelez la Hollande. Dites-leur d'envoyer le tout par pli urgent. Et informez immédiatement l'agence de traduction. Je veux pouvoir lire ces documents au plus vite, mais dans ma langue. Oui, bien sûr. Salut, l'ami Fritz. Joseph. Alors, ça gaze? Salut, qu'est-ce que tu viens faire ici? Je voulais t'inviter à déjeuner. Ouais, justement un vendredi, quand il y a du poisson à la cantine. Je vois que rien n'a changé. Assieds-toi. Alors, pourquoi tu es là? Ça avance, enquête sur le meurtre de Freeze. Vous avez une idée? Pourquoi tu t'intéresses à cette histoire? Si tu veux savoir, nous étions très proches. Mais tu n'as fait aucune déposition. Je pensais que Bruce avait cité à comparaître tout son entourage. Et tu n'en faisais pas partie. Je me suis absenté 3 semaines. J'ai fait du deltaplane. Ça, je t'en demande pas, les mieux comprendre. C'est toi tout craché. Tu te casses de la police, tu fais du delta, tu te casses la figure et puis, mine de rien, tu reviens nous casser les pieds ici. Je suis venu pour faire avancer l'enquête, au lieu de rester dans mon coin. Alors, vous en êtes? Pour ma part, je n'ai interrogé que 2 types. L'affaire est entre les mains de Bruce. Enquête piétine. Absence de mobile. On les soupçonne de trafic de drogue. J'ai interrogé Lotte Bent, tu sais, la petite amie de Freeze. Tu dois la connaître, puisque Freeze était un copain à toi. Bien sûr que je connais Lotte. Et pas tante comme fille. Ah, tu trouves? Il se peut que le trafic de drogue soit la bonne piste. Grâce à Interpol, nous avons découvert que 2 autres meurtres avaient été commis il y a 2 semaines environ à Amsterdam. C'est très encourageant. Amsterdam. Trafic de drogue. Eric Freeze. Non, non. Si, si, je t'assure que oui. Nous en avons la preuve. Ils ont été tués avec le même pistolet, tous les 3. Très rare comme calibre, un Parabellum 7.65.
Monsieur Geisler, ça ne vous dérange pas si je m'assois ici? Je vous en prie. Merci. Cette soupe aux petits pois est délicieuse. Ah. Elle vient directement de la prison pour hommes. Les gars de là-bas cuisinent très bien. Ah oui, ah bon. Vous devriez en commander une. Non, merci. Au fait, nous avons fait appel pour la remise en liberté de votre client, Monsieur Vigonka. Ah oui? Je voulais vous en informer. C'est très gentil, mais c'est sans issue. Mais dites-moi, au fait, j'ai lu un article très intéressant sur l'affaire Freeze. Très mystérieux, semble-t-il. Un cas difficile. Je plains la personne qui s'occupe de cette enquête. C'est moi que vous devriez plaindre. Mm-hmm. Une affaire compliquée, mais l'enquête avance. Ah oui? Tout à fait, le tueur a commis deux autres meurtres. Et nous savons que l'arme du crime vient de Suisse. Un pistolet peu édité. Une arme de service de l'armée helvétique jusqu'à 1952. Intéressant. Un mobile. Trafic de drogue. Vous y voilà. Eh bien, bonne journée, maître Renz. Merci, monsieur Geisler. Au revoir. Monsieur Geisler, on a reçu un telex de Berne sur l'affaire Freeze. C'est important. Et pourquoi? L'arme du crime vient d'être identifiée. Elle appartenait à un certain Major Churny, qui est décédé depuis. Il y a décidément des morts partout. Et comment ont-ils fait pour remonter jusqu'à lui? En 1961, le major a fait feu sur des cambrioleurs et il a blessé l'un d'entre eux. Attendez, il y a autre chose. À la suite de cet incident, l'arme lui a été confisquée par la police, mais peu après, elle lui a été restituée. Mettez tout ça dans mon bureau, s'il vous plaît. Ah, c'est une chance que vous ayez vu Maître Renz. Oui. Pourquoi? Il est venu un peu avant votre arrivée, il m'a demandé qui s'occupait de l'affaire Freeze. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? On va déjeuner. On pourrait aller à Sachsenhausen. Pourquoi si loin? Pourquoi pas là-bas au coin? Quoi? Un hamburger? Ouais, c'est pas cher et le service est rapide. Vous devriez essayer. Restez ici jusqu'à ce que je revienne. Mais quoi? Vous êtes censé me protéger et au lieu de ça, vous partez en vadrouille. Je croyais avoir reconnu une personne qui a des visées sur vous. Ah bon? Vous ne m'en avez rien dit? Qui est-ce?
Dites-moi, est-ce que votre père a toujours une filiale à Amsterdam? Oui, bien sûr. Eh, venez, on s'en va ailleurs, on est tous ici. Je m'intéresserais de savoir si vous êtes souvent à Amsterdam. Oui, mais pourquoi vous me demandez ça sans arrêt? Il y a 3 semaines, par exemple. Vous n'allez quand même pas insinuer que je suis allé à Amsterdam tuer ces deux types? Les banquiers, j'ai jamais eu confiance en eux. Pete Rikers et Einar Vandenblum ont tous les deux été tués en l'espace de 2 jours. Le tueur et les victimes se connaissaient. Ils ont tous les deux été abattus dans leur environnement habituel. Ils ont fait entrer l'assassin chez eux. Pour Freeze, ça s'est passé autrement, ça j'en suis sûr. La salle de gymnastique est ouverte à toute heure, chacun peut y entrer. À part ça, il n'y a rien d'autre que nous ne sachions déjà. Il y a autre chose sur l'arme du crime. Propriété du major Schurli de Zurich, décédé depuis 1982. À part sa fille, il n'a aucune famille. Un moment. Qui a fait la jeune fille de la maison pour ça sur la table? Bon sang, mais pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? C'est clair, mais oui, jusqu'à présent, j'ai cru qu'elle était originaire du Sud. Mais elle est suisse. Ah, tu veux dire que la femme travaille comme informatrice pour cette bande de trafiquants? Peut-être même qu'elle a d'autres fonctions. En tout cas, elle s'est débarrassée de moi très habilement aujourd'hui. Mais quand je réfléchis, Rudy a pris toute cette histoire sans sourciller. Il sait peut-être qu'il n'a aucune raison d'avoir peur. Il nous joue la comédie. Lui et la femme travaillent peut-être ensemble. Ce serait logique. Mais dans ce cas, pourquoi ils auraient fait appel à nos services? Ce ne serait pas la première fois dans les annales du crime que 2 tueurs auraient recours à la tactique qui consiste à s'assurer la participation de la police histoire de se constituer un alibi. À ton avis, quel serait le mobile? Chantage, par exemple. Peut-être qu'au fond, ces 2 types n'étaient pas indispensables. Quant à Freeze, il a peut-être filé avec l'oseille. Rudy a décidé d'en finir. Et d'ailleurs, il va très souvent à Amsterdam. Regarde les pions, comment ils sont. Là, tu as les 4 pions. Rikers, Vandenblum, Freeze et Rudy Tyson. 3 sont morts. La reine blanche, Madame Remmers. Et le roi noir est encore un grand inconnu. Et que penses-tu de Tyson, senior? Tu sais, Rudy a évité toutes mes questions, et le père est aussi réservé que le fils. On se perd en conjectures. Et chez ton copain à la police? Ça, si je lui tombe dessus comme l'autre jour, il se méfiera, et avec raison. Je crois qu'avec la femme, on a plus de chances d'aboutir. Mais de quelle façon? Je connais un moyen. Alors, je vais rentrer à la maison, maître. Étude Rennes, bonsoir. Ne quittez pas, monsieur Voltaire du courrier de nuit. J'y vais. Bonsoir, Hans. Ah, c'est gentil de m'avoir appelé aussi vite. Alors, quoi de neuf? La rédaction, Click, Zurich, Hans Effeli. Oui. Merci. Ciao. Pas vous déranger. Je peux attendre. J'ai plus aucune envie. Vous pouvez me croire. Voilà qui est chaste. Votre club habituel? Plus en plus l'impression d'être une cible ambulante. Si seulement je ne m'étais pas laissé entraîner dans cette saloperie de trafic d'héroïne. Pourquoi vous vous êtes laissé entraîner? Vous connaissez mon père? Depuis que je suis tout petit, on me dit « Ton père, quelle réussite exceptionnelle !» Moi aussi, je voulais réussir un peu. Mais l'argent de la transaction venait tout droit de votre papa. J'ai retiré cet argent sans qu'il s'en aperçoive.
Et quand nous sommes revenus, il m'a posé quelques questions. Je lui ai dit que j'avais fait une petite affaire et que j'allais le rembourser dans 6 mois avec les intérêts composés. Voilà tout. Il a trouvé ça tout à fait normal. Il vous a pas demandé de justifier 100 000 marques? Voyons, 100 000 marques, mais ça veut dire quoi, 100 000 marques pour lui? C'est une pécadille. J'ai remboursé et il n'en a plus jamais reparlé. Je crois même qu'il était assez fier de moi. Et maintenant? Maintenant, il me traite comme un gosse. Fiston, tu dois faire face, tu n'as pas le droit de t'en aller. Et depuis quand vous voulez vous en aller? Depuis le meurtre de mes amis hollandais. Et Freeze, vous l'avez averti? Freeze? Il ne sait même pas où il habite. Je pense rarement à lui. Mercredi dernier, où étiez-vous? Ici, à Francfort. Mais où exactement, je ne m'en souviens pas. Vous ne voulez pas coopérer avec nous? À votre avis, qui est le tueur? La femme de ce matin fait partie du groupe de gens qui veulent vous éliminer. Il n'y avait pas de femme dans votre bande de trafiquants? Non, et je ne sais pas qui c'est. Je ne connais ni la femme de Pete, ni celle de Henner, ni d'ailleurs celle d'Eric. Je ne sais rien, 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 bordel de merde! Vous ne savez pas si elle est suisse? Vous ne connaissez pas de Suissesse? Non, je ne connais pas de Suissesse. On y va? Vous voulez où aller? À la maison. Mais qu'est-ce qu'il y a? Vous allez monter ou vous avez l'intention de quitter votre service? Qu'est-ce que vous avez à cogiter comme un forcené? Vous êtes le seul homme que je connaisse qui ne connaisse pas de Suissesse. We'll be right back.
Il était major et fabricant de papier. À Zurich, il était très connu. Tu sauras tout sur lui et aussi sur sa fille en lisant la presse mondaine. Je t'ai réservé le prochain vol, comme ça tu reviendras plus tôt ce soir. D'accord, mais il faut t'occuper de Rudy qui ne quitte pas la banque. Bon, il faut que je file. Ah ben moi aussi. Bonjour, je m'appelle Renz. J'aurais voulu vous parler. C'est au sujet de la mort de votre fiancée. Entrez, entrez donc. Merci. Vous savez, j'ai déjà tout dit. Je ne sais pas pourquoi, je ne sais pas comment, je ne sais rien. Madame Bente, je ne suis pas policier. Je suis avocat. Et je vous assure que je ne serais pas venu vous importuner si la vie d'un homme n'était pas en danger. La vie d'un homme? Que voulez-vous dire? Je vais vous l'expliquer tout de suite. Mais dites-moi une chose. Votre fiancé vous avait-il parlé d'un voyage qu'il aurait fait autrefois en Orient? En Turquie, au Pakistan, par exemple? Je vous en prie, asseyez-vous. Merci. Je sais qu'ils sont allés en Orient, mais à l'époque, je n'avais pas encore rencontré Eric. Il en parlait de temps en temps, et c'est tout. Vous habitez dans son appartement? Oui. Je suppose que vous savez que cet appartement, il l'a acheté. Propriété qu'il doit bien aller chercher dans les 600 000 marques. Vous ne vous êtes jamais demandé comment il avait pu se l'offrir? Ah non, rassurez-vous, je ne suis pas policier. Je ne vous demande rien sur le trafic d'héroïne. Mais j'aimerais savoir une chose. Vous connaissez Rudy Tyson? Non, qui est-ce? De la banque Tyson. Ah oui, c'est dans cette banque que nous avons un compte. C'est l'agence qui est près de l'université. Mais j'avoue que je ne connais pas personnellement M. Tyson. Eric le connaissait? Mm-hmm. C'est drôle. Il ne m'en a jamais rien dit. Mais il a toujours géré nos finances tout seul. Il était comme ça. Jamais nous n'avons manqué d'argent. Une dernière question. Monsieur Fries, vous a-t-il parlé d'une femme qui aurait été impliquée avec eux dans cette histoire de drogue? En particulier d'une Suissesse? Non. Non, non. Mais... maintenant, je me souviens... Oui, attendez. Je crois qu'ils ont eu un accident. Quel genre d'accident? Où ça? Où ça, où ça? Ma foi, je n'en sais rien. Je crois me souvenir qu'il y a eu un accident. Pour une surprise, c'est une surprise. Je voulais justement aller vous chercher. Oui, mais j'avais besoin de sortir. Je prendre l'air un peu. Mais calme-toi, mon garçon. Nous allons au restaurant. Allez, viens. Accompagne-nous. Non, non, monsieur. Je n'ai pas le droit de quitter ma place. Les ordres viennent d'en haut. Je vous demande pardon? Non, 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 non. Mais laissez. Je vais vous accompagner. Ça fait au moins, je dirais, 5 ou 6 ans qu'on a fait un article sur les Chourlis. Ça doit être là, quelque part. Vous devez savoir que c'était une des plus grandes familles de Zurich. Oui, le père était fabricant de papier et homme politique. Il a perdu sa femme assez tôt. Il n'avait aucun parent, juste une fille. Et si vous voulez mon avis, il aurait préféré avoir un fils. En tout cas, il l'a élevé exactement comme un soldat. Équitation, tir à l'arc, bobsleigh, tout ce qui endurcit son homme. Il lui a fait faire du bobsleigh? Vous vous rendez compte? Ouais. C'est un des sports les plus périlleux qui soit. On est lancé à toute allure dans un tunnel de glace, vous voyez ça? C'est dangereux? Plus encore que le deltaplane? Je comprends. Faudra que je tente ma chance. Ah, attendez, regardez. Elle est partie de chez elle un grand nombre de fois, oui. Mais le père a lancé toutes les polices à ses trousses, il voulait la déshériter, la pauvre. Là, voilà, l'affiche Chourlis dans une communauté de drogués, dans la chambre d'un souteneur... Ensuite, elle a étudié l'art dramatique 2 ans. Tenez, voilà le dernier article. Il date de 1980. L'affiche Chourlis sauvée in extremis en Turquie. Le consulat helvétique l'a rapatriée d'urgence. Elle a été très très malade. Et quand le vieux Chourlis est mort, finalement, elle a hérité de lui. Monsieur Tyson, je vais vous poser une question essentielle et je veux une réponse. Pendant votre voyage, est-ce que vous avez rencontré une Suissesse? Non.
Père. Laissez-moi la filiale de New York. Je vous en prie, laissez-moi partir à l'étranger. Nous en avons déjà parlé longuement, Rudolf. Il faut tirer cette affaire au clair une fois pour toutes. Fuir ne servirait à rien, je te l'ai déjà dit. Il faut faire face. Vous trompez de porte. Oui, c'est une erreur, excusez-moi. C'est idiot. Un petit moment. Ôtez-vous de là, laissez-moi passer. Passé. Non, non, c'est rien, la balle m'a effleuré. Qui vous a tiré dessus? Ah, sans doute la personne qui a tué Freeze, c'était vous qu'elle visait. Prenez votre fille, c'est fini au plus vite. Allez à la banque et attendez-moi. J'appelle une ambulance, c'est la police. Allez, viens. Allô, études Rennes, bonjour. Ah, enfin, monsieur Matula, il faut que vous alliez immédiatement à la banque. Maître Rennes vous rejoindra aussitôt qu'il sera sorti de l'hôpital. De l'hôpital? Dites-moi, qu'est-ce qui s'est passé? Quelqu'un lui a tiré dessus. Faites vite. On est à la merci, folle furieuse. Pour la dernière fois, je vous demande de me dire ce qu'il en est. Sans cela, j'abandonne l'affaire. Qui est cette femme? Je n'en sais rien. Je ne l'ai jamais vue. Estimez-vous heureux. Sans ça, vous ne seriez plus là. Alors, parlez-moi de cet accident, il y a longtemps, en Turquie. Bonjour. Qu'est-ce que t'as fabriqué? Notre Helvète a encore frappé. Tes recherches ont abouti? Un instant. Voilà les photos. Mm-hmm. Regarde. Alors? Oui, c'est cette femme suisse. Et ça, on le sait déjà. Elle s'appelle Catherine Schurli. Mais qu'est-ce qu'elle vient faire dans l'histoire? Elle a seulement fait un bout de chemin avec nous en Turquie.
Elle faisait du stop sur la route. Alors, vous l'avez prise en stop? Ouais. Vous l'avez mise au courant de votre affaire? Et puis vous l'avez trompée? Ah non, 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 non. Elle n'a strictement rien à voir là-dedans. Elle n'était même pas au courant. Elle a fait un bout de chemin avec nous et c'est tout. Et l'accident est arrivé. Ouais. Pendant le voyage, on avait fumé une grande quantité de hash. On était complètement partis. Mon Dieu, tout allait si bien. Les sachets d'héroïne étaient dissimulés dans la portière. Et puis cette femme est entrée. Elle a tout de suite remarqué qu'on planait. Et elle nous a demandé de faire un peu attention en conduisant. J'étais au volant. Elle a commencé à faire des histoires et elle a dit qu'elle voulait sortir et... Je ne sais plus ce qui s'est passé, mais tout d'un coup, j'ai fait un faux mouvement, la voiture est sortie de la route et elle s'est retournée. Qu'est-il arrivé ensuite? Eh bien, les coutures soudées de la portière se sont déchirées et puis un sachet s'est crevé et l'héroïne est sortie du sachet. On avait une de ces trouilles, on ne planait plus du tout. Alors on a remis la voiture à l'endroit et on est reparti. On est arrivé dans une ville et on a cherché un garage pour faire réparer la voiture et puis on a passé la frontière. Sans problème, comme je vous l'ai dit. Et qu'avez-vous fait de la femme? Je ne sais plus très bien. Elle est restée sur la route. Tout d'un coup, elle a demandé la police. Alors rendez-vous compte. On était terrorisés. C'était un témoin gênant. Est-ce qu'il y a eu des blessés? La femme, peut-être? Tout ça est très vague, je crois que... J'étais encore sous le choc, vous savez. Oui, je crois me souvenir qu'elle était blessée. Elle était toute recroquevillée, là, et... Et elle ne bougeait plus. Pourquoi vous n'en avez pas parlé? Mais j'avais tellement honte. Tu viens dehors? Je te jure, c'est Tyson. Plus ça va et plus me dégoûte. J'en ai la nausée. Je suis d'accord avec toi, Joseph. Mais les gens ont le droit d'être protégés. C'est sa vie qui est en jeu. Tant pis pour ce qui s'est passé il y a 6 ans. Personne n'a le droit de prendre un pistolet et de jouer au justicier. Il faut que cette histoire finisse. On connaît le tueur et on connaît sa victime. On va lui tendre un piège. Mais pour ça, il faut que la police intervienne. Tu n'as qu'à t'en charger. Et vous êtes tout à fait certain qu'il n'y aura pour mon fils aucune répercussion d'ordre juridique? La femme n'était pas au courant de leur trafic. Il ne reste que le délit de fuite et il y a prescription. Est-ce que vous avez vu Mademoiselle Shirley ces jours-ci? Non. Attendez un peu. Je crois me souvenir... Je pense qu'il y a environ... 2 semaines, je l'ai vue. Je sortais de mon club. J'avais l'impression qu'une femme me regardait. Je n'ai pas vraiment réussi à identifier ses traits. Et où était-ce? Au bar, où nous sommes allés hier. Ah, c'était au bar. Zurich 2 à 1, répondez.
Zurich 2A1. Une femme s'approche de l'entrée. Fausse alerte. C'était une butte. Tiens, tiens, qu'est-ce que tu fais ici? De toute façon, je n'arrivais pas à dormir. C'est à cause de ton bras? Non, 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 j'arrive à le bouger, mon bras, ça va beaucoup mieux. Ici, il ne se passe rien. Tu n'as pas de rendez-vous demain? Tu veux dire aujourd'hui? Nous sommes samedi. L'heure où les gens normaux s'adonnent à leur passe-temps favori. Il va être 5 heures. C'est notre quatrième nuit, il ne se passe toujours rien. Vous comprenez, un tel déploiement de force, ça ne se justifie pas si on n'a pas le résultat. Nous avons son signalement. Et puis, tôt ou tard, elle finira par tomber dans les filets de la police internationale. Monsieur Heinz, vous avez tout à fait raison. Elle doit être partie. Tout ceci ne sert pas à grand-chose. Elle doit être partie et je n'ai plus besoin d'avoir peur. À mon avis, elle a dû filer à l'étranger. Zurich 1 à tous. Action Zurich est terminée. Rentrez chez vous. Rendez-vous demain au QG. Je répète, Action Zurich est terminée. Terminée. Allez. Je suis désolé. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Ah, bon, eh bien. Voilà une affaire classée. Et vous n'aurez plus besoin de me protéger. Comme vous voudrez. Être attaché à vos basques toute la journée n'est pas vraiment une sinécure. Eh bien. Vous enverrez la note à mon père, hein? Bon week-end alors. Dieter, les clés de la voiture. Monte, c'est la fille Shirley. Appelez une ambulance.
J'ai un docteur. Un docteur. Docteur. J'appelle une ambulance. C'est dans cet état que vous étiez quand vous avez eu l'accident? Non. Lui, il va aller se faire soigner tout de suite. Mais en Turquie, je suis restée 2 jours sur la route avec une fracture de la colonne vertébrale. Et puis un paysan m'a trouvé et m'a ramené chez lui dans sa charrette à Pura. Lorsque je suis arrivée en Suisse, le mal était fait. Ma vie est foutue, vous voyez. Les docteurs auraient pu faire quelque chose si l'on m'avait emmenée tout de suite à l'hôpital. Mais non. Eux, ils m'ont laissée pourrir sur la route. Comme un pauvre chat écrasé. Au milieu d'une route de campagne. À la sortie d'Ankara.